C'est un plaisir d'être ici, une fois de plus à Paris. Je suis régulièrement pour parler du LHC. Ceci d'autant plus que, contrairement à il y a quelques années, on a vraiment des bonnes nouvelles toujours annoncées, alors que dans le passé, c'était un peu plus glauque, comme vous allez le rappeler. Donc, vous avez déjà vu ce matin, pour ceux qui étaient là, les différentes photos, donc le LHC vu depuis la montagne Jura, avec le lac Léman et au fond, le Mont Blanc. Gardez ça en vue parce que moi, un de mes derniers slides, vous allez voir, il y a un peu une vue dans le futur. C'est intéressant de regarder le futur sur cette échelle-là. Donc, ma présentation est seulement, je vais commencer par une petite introduction sur le LHC et son histoire. Ensuite, j'ai surtout parlé un peu des aimants et puis de la première phase de mise en route du LHC. Ensuite, j'ai parlé de la période glorieuse des trois dernières années, où on a sorti les résultats sur les Higgs. Je vais sélectionner certains points qui me paraissent essentiels pour pourquoi on est arrivé aussi loin. Ensuite, je vais parler un peu le chemin vers les plus hautes énergies et dire deux mots, parce que Gabriel m'avait demandé un peu sur ce qu'il va y avoir peut-être au-delà. Alors, une petite ligne de temps qui part en 1984, ensuite une petite brisure et continue en 1990. En 1984, il y a eu un workshop ECFA où pour la première fois on a discuté de mettre un collisionneur proton-proton dans le tunnel du LHC. Ensuite, au début des années 90, les premiers prototypes qui pouvaient faire des champs de 9 Tesla étaient fabriqués au CERN. En 93, ça a été le choc pour la physique des particules. Le SSC a été annulé par le Congrès américain. En 94, en revanche, le projet a été approuvé par le Conseil du CERN. Oups, je vais dans le mauvais sens, pardon. Ensuite, en 2002, une grande étape. Pour la première fois, on a réussi à mettre une cellule équivalente du LHC en route dans un hall au CERN pour prouver qu'en fait la technologie marchait avec des aimants longs. En 2005, 50% des dipôles du LHC étaient délivrés. Décidément. En novembre 2006, finalement, tous les éléments étaient au CERN. En 2007, pour la première fois, un huitième du LHC était froid et prêt à être mis en service. En 2008, en avril, le dernier dipôle a descendu dans le tunnel pour être mis en position. Ensuite est arrivé septembre 2008 avec un incident que je vais discuter brièvement plus tard. Et finalement, en novembre 2009, finalement, ce qu'on appellera le démarrage du premier run LHC, où les faisceaux sont revenus et on les a amenés à la performance qu'on a discutée ce matin déjà. Et en plus, ne pas oublier qu'un certain nombre d'entre nous, y compris moi, ont travaillé sur un prototype à la même échelle, même si le champ était un peu plus bas, qui s'appelait LHC et qui nous a bien servi pour apprendre un peu comment faire fonctionner le LHC. Alors juste deux mots sur le LHC. C'est un anneau de 26,7 km. Il y a deux grandes expériences, CMS et ATLAS, qui sont installées vis-à-vis pour des raisons de dynamique de faisceau. Mais on a aussi deux petites expériences, peut-être pas à l'échelle d'une petite d'une université, mais LHCb et ALICE, qui sont dans les deux points où en fait on injecte les faisceaux. Donc un des faisceaux est injecté au point 2 et circule dans le sens des aiguilles d'une montre. L'autre est injecté de l'autre côté pour circuler à un contresens. On a également une zone qui sert pour la haute fréquence pour accélérer les faisceaux, un endroit où on doit évacuer les faisceaux dans un dump, et finalement deux sections, j'en parlerai plus tard, où on doit faire le nettoyage des faisceaux et enlever les particules qui se trouvent dans les queues. Une chose importante, le LHC c'est en fait deux accélérateurs dans un, je vais en parler un peu tout à l'heure. Donc en fait, pour certains aspects, on travaille avec un accélérateur, mais pour certains autres aspects, on travaille avec deux accélérateurs en même temps. Ça fait l'opération du LHC assez particulière. Aussi mentionner, même si on n'en parle pas beaucoup ici, que le LHC travaille évidemment essentiellement avec des protons, mais il peut aussi travailler avec des ions, et ça fait une autre physique où on cherche d'autres choses. Donc, à nouveau, une fois, l'échelle du LHC, les 27 km, une profondeur moyenne environ 100 mètres, qui s'étend à peu près de l'aéroport de Genève jusqu'au contrefort de la montagne Jura, avec la salle de contrôle qui se trouve relativement centralement, avec les quatre expériences principales, ATLAS, CMS, LHCb, ALICE, et deux petites expériences TOTEM et puis LHCf qui parasitent un petit peu les points de collision de CMS et d'ATLAS.
Alors, parlons d'abord un peu des aimants et puis des premières années du LHC. Alors, un de mes collègues a dit que c'était un bold beginning parce qu'en fait, en 1984, on a pris des premières options qui sont avérées finalement être les options gagnantes. Premièrement, d'avoir des champs magnétiques très élevés, 8 Tesla. À l'époque, personne ne savait faire un aimant d'accélérateur à 8 Tesla. Donc évidemment, on devait être supraconducteur. On a aussi décidé, pour des raisons de coût, non pas de mettre deux anneaux côte à côte, mais de faire deux anneaux en un, c'est-à-dire des aimants avec un seul aimant avec deux ouvertures pour les deux faisceaux. Il a fallu aller à l'hélium superfluide, qui n'avait jamais été utilisé dans un accélérateur. Et en fait, la luminosité à l'époque était un chiffre 10-33 par centimètre carré par seconde. Et en fait, à l'époque, c'était aussi pour ne pas donner aux expériences trop de ce qu'on appelle le pile-up, trop de collisions en parallèle. En fait, si on regarde avec historiquement l'évolution, en fait, pas grand-chose a changé dans les paramètres. Par contre, ce qui a changé beaucoup à la fin des années 80, c'est la luminosité a été poussée d'un facteur 10, essentiellement aussi pour être en compétition avec le SSC, qui avait l'avantage d'avoir un peu plus d'énergie, mais qui finalement s'est avéré ne jamais voir le jour. Alors, c'est une très belle technologie. On a à peu près 1200 aimants supraconducteurs en niobe titane. Chacun fait 15 mètres de long, installé dans ces cryostats bleus ici. Champ magnétique de 8 Tesla. Il y a 11 000 ampères, et c'est aussi un des problèmes qui circulent dans les bobines de ces aimants, qui sont refroidis à 1,9 Kelvin pour avoir de l'hélium superfluide, pour gagner encore un peu en marge. La seule chose qu'ils n'aiment pas du tout, c'est qu'ils n'aiment pas du tout les pertes de faisceaux, parce qu'il suffit de quelques millijoules par centimètre cube pour faire une transition entre l'état supraconducteur et l'état normal. Je vais revenir un peu plus tard. Alors, les aimants ici en coupe, vous pouvez voir le cryostat en bleu. Vous avez ici essentiellement ce qu'on appelle la masse froide. Donc, toute cette partie-là ici est à 1,9 Kelvin. Ici, vous êtes à température ambiante, vu que c'est un tunnel normal, avec un vis d'isolation entre. On a les deux tubes à faisceaux ici, au milieu, qui passent. Et ici, je vais y revenir plus tard, on a les passages, en fait, pour les câbles entre deux aimants. Il faut évidemment connecter les aimants ensemble. Il y a le passage des câbles qui, ensuite, vont alimenter les bobines supraconductrices dans les aimants. Maintenant, ça, c'est une technologie magnifique, mais en fait, il ne s'agit pas seulement de produire massivement ça. En fait, il y a beaucoup de détails dont il faut faire attention. En fait, je veux juste vous mettre un peu en avant trois choses. Premièrement, il faut faire attention à la qualité du champ, parce que ces aimants sont censés être des dipôles presque parfaits. Donc, on doit contrôler au niveau d'un dixième de pour mille les erreurs de champ. Et ça, pour éviter d'avoir des problèmes, en fait, a été contrôlé dès le début, régulièrement, à l'arrivée des aimants. Chaque aimant a été vérifié pour immédiatement pouvoir avoir un contrôle sur l'industrie qui les fabriquait. Une autre chose, c'est que les aimants ne sont pas tous égaux. Et en fait, quand le géomètre regarde à l'intérieur quelle est la déviation de l'axe du faisceau par rapport à l'axe des tubes à vide, qui ont évidemment des tolérances d'alignement, on réalise qu'il y a des aimants qui sont très bien alignés. Ici, c'est la déviation par rapport au centre idéal, et d'autres qui sont un peu moins bons. Alors évidemment, vous pouvez avoir différentes politiques là-dessus. Et finalement, la politique qu'on a adoptée et qui a été extrêmement gagnante, c'est de se dire, bon, au lieu de prendre les aimants et de les empiler dans le tunnel un après l'autre, on va bien les mesurer. Et il y a des endroits dans le tunnel où on a besoin de beaucoup de place. Donc, il faut que les aimants soient très bien alignés. D'autres, on a un peu plus de marge. Et on va faire un sorting de sorte qu'en fait, les bons aimants vont être installés là où il faut des bons aimants, et les moins mauvais, au lieu de les retourner à l'industrie et de faire beaucoup de travail, ben on les met là où on a besoin de moins de marge. Et ça a été un travail très essentiel pour ensuite s'assurer qu'on a assez de place pour le faisceau dans la chambre à vide. Finalement, il a fallu modéliser les aimants. En effet, ce qui caractérise les aimants supraconducteurs et qui est un peu différent d'un aimant conducteur normal, c'est qu'évidemment, dans un aimant normal, quand on change le champ, il y a automatiquement des courants Foucault qui se mettent en place, qui essayent de contrebalancer le champ. Mais dans un conducteur à température ambiante, ces courants disparaissent en quelques millièmes de seconde. Dans un supraconducteur, malheureusement, ces courants de Foucault, comme il n'y a pas beaucoup de résistance, ont tendance à circuler pendant très longtemps. Et en fait, si on regarde, par exemple, l'erreur
sextupolaire du champ dans un de ces dipôles en fonction du temps. Donc quand on arrive à l'injection et qu'on met un courant d'injection fixe, stable, dans l'aimant, en fait, la composante sextupolaire continue à changer. Donc en fait, bien qu'on a une situation apparemment stable, en fait, on a le sol qui bouge sous nous continuellement. Ce qui est encore pire, c'est qu'en fait, quand on commence l'accélération en énergie, en fait, ces champs ressautent à nouveau parce qu'on fait à nouveau un changement de champ et on a une très brutale transition en fait au début de l'accélération. Ça c'est un aspect qui a été où on a travaillé énormément pour essayer de comprendre, modéliser et stabiliser les faisceaux. Finalement, il ne faut pas oublier que le LHC, il y a ces grands aimants, mais en fait, c'est un zoo de 8000 aimants supraconducteurs avec des bobines différentes. Certains aimants ont deux tubes à vide, certains n'en ont qu'un seul, certains sont des quadrupôles, d'autres ont des champs beaucoup plus compliqués, jusqu'à 12 pôles. Et tout cela doit être intégré et fonctionner pour que ça marche. Il ne suffit pas juste de mettre les dipôles. C'est un point assez important à réaliser. Maintenant, reprenons un peu l'échelle du temps. Donc, en 2007, on se trouvait à la situation, on avait un accélérateur qui avait une énergie de design de 7 TeV. Alors, juste un petit détail. Moi, étant de l'accélérateur, je parle toujours de l'énergie du faisceau. Ce matin, les expériences parlaient toujours de l'énergie dans le centre de masse en général. Ça permet aussi parfois des confusions intéressantes avec les journalistes. Bon. Donc, on partait de 7 TeV par faisceau dans le design. Ensuite, en fait, en installant les aimants, on a réalisé que, surtout pour une des firmes, il y avait un problème de training. C'est-à-dire, quand les aimants arrivent au CERN, on les teste et on les fait monter en champ. Et en général, il faut plusieurs cycles pour que l'aimant, finalement, se mette en place et monte en champ. Mais ensuite, on espère que l'aimant peut être monté directement au champ maximum. En fait, il s'est avéré que pour une raison qui n'est toujours pas comprise, pour une des trois firmes qui a fabriqué, en fait, il y a une perte de mémoire de l'aimant. Et étant donné la pression de temps, il n'a pas été possible de maintenir l'énergie. Il a fallu descendre à 5 TeV par faisceau. Voilà la situation en 2008. Et finalement, le 10 septembre 2008, on a eu un bref moment de gloire, où la salle de contrôle était remplie. C'est la première fois que j'ai mis en service un accélérateur, une partie de faisceau avec 100 personnes dans le dos, y compris ici à peu près 5 anciens directeurs généraux. Ce n'est pas normalement les conditions idéales pour trouver des problèmes, n'est-ce pas? Heureusement, aussi à dire qu'en fait, c'est l'équipe qui avait fait fonctionner le LEP qui était pratiquement en charge en première ligne, pour dire que même les faisceaux électrons, ça sert à quelque chose quand on fait du proton. C'était une journée mémorable et remarquable, vu qu'en très peu de temps, on a vu le faisceau arriver. Donc, il était injecté de ce côté-là. On l'a vu arriver. Ici, c'est la position du faisceau le long de l'anneau. Donc, en fait, je vais aller dans cette direction-là. Le faisceau est apparu sur les écrans à un point. C'est propagé. On a pu corriger les trajectoires au fur et à mesure. Finalement, l'image que Guido a montrée ce matin, le premier tour en l'espace d'une heure, absolument inespéré. C'est vrai qu'on s'était entraîné un petit peu en semi-cachette avant, mais on n'avait jamais fait le tour complet et on a toujours des surprises. Et en plus, en guise de petit bonus, les expériences ont eu droit aux premières collisions quand on a envoyé le faisceau sur des collimateurs juste devant eux. Alors ça, cette expérience a duré à peu près 3 jours. Ensuite, comme on avait la date limite du 10 septembre qui avait été fixée, en fait, elle n'avait pas eu le temps de finir la mise en route de tout l'accélérateur. Un huitième n'avait pas été mis en service complètement. Il a fallu faire des derniers tests pour pouvoir le monter à 5 TeV. Et c'est là qu'en fait, le 19 septembre, on a les interconnexions, les aimants sont devenus le thème chaud du CERN. En fait, c'est encore un thème chaud de nos jours. En fait, qu'est-ce que l'interconnexion? C'est cette partie-là où en fait, les câbles sortent d'un des aimants pour aller sur l'autre. C'est juste une interconnexion, juste quelques soudures. Bon, c'est des soudures un peu subtiles. Ici, vous voyez en fait de quoi ce qu'il y a en fait dans ce tuyau. Vous avez ici les câbles supraconducteurs qui doivent donc amener les 12 000 ampères d'un aimant à l'autre. Le câble supraconducteur est ce câble ici que vous voyez là. Il est dans une matrice de cuivre. Cette matrice de cuivre est nécessaire parce que si ce câble, pour une raison ou une autre, redevient un conducteur normal, il faut avoir assez de diamètre de câble pour pouvoir avoir le temps d'évacuer l'énergie de l'aimant.
Et donc, en fait, c'est cette soudure-là qui était le point critique. Il se trouve qu'une des soudures parmi les nombreuses était particulièrement mal faite. Et en fait, le supraconducteur ici est revenu à l'état normal. Et malheureusement, en fait, à cette époque-là, le système de protection n'avait pas été conçu pour ce genre d'erreur. La conséquence, c'est que, en fait, il y a eu un arc électrique qui a complètement brûlé l'interconnexion entre les deux aimants. Vous voyez, il y a de la suie partout. Ce qui est plus grave, c'est que l'hélium liquide qui se trouvait ici et a été mis en contact avec beaucoup d'énergie, est passé de l'état liquide à l'état gazeux. Vous avez une expansion par un facteur à peu près 1000. Donc une onde de pression d'hélium qui se propage dans la chambre à vide, en fait à l'intérieur de l'aimant, et qui en fait a déplacé les aimants qui n'étaient pas conçus pour ce genre de choses-là, complètement déplacés de leur support. Et finalement, 53 aimants ont dû être réparés à la suite de cet effet. De plus, on avait les deux chambres à vide qui étaient polluées sur 2 km avec des suies. Et notre groupe vide a dû faire le ramonage de 2 km de chambres à vide, littéralement ramonage, parce qu'ils ont vraiment ramoné les chambres à vide pour sortir tous les débris qui étaient dedans. Alors en fait, en analysant un peu le problème, on a trouvé encore un autre problème qui était en fait même plus grave parce qu'il était beaucoup plus systématique. Donc le problème qu'on a eu dans cet incident se trouvait en fait à la soudure entre ici le câble supraconducteur et l'autre. Mais en analysant les autres aimants, on a réalisé qu'il y avait un autre problème, c'est qu'en fait, dans les soudures ici, il y avait eu, il faut le dire, un manque de contrôle de qualité. Et dans certains cas, la soudure en fait a coulé hors de la jointure et à laisser des vides qu'on pouvait voir sur les rayons X. Or, le problème dans ce genre de cas-là, c'est que si cette zone ici passe de l'état supraconducteur où tout le courant passe ici en état normal, le courant doit pouvoir s'échapper, parce que cette section n'est pas suffisante, doit pouvoir s'échapper ici dehors. Si vous n'avez pas une bonne jointure ici, le courant ne peut pas passer et à nouveau vous fondez. Vous pouvez faire un dommage. Et à cause de cet effet-là qui a été découvert en fait, pendant les travaux de réparation, on a dû limiter l'énergie pour les années qui ont suivi. Donc, on se trouve à Sainte-Thève. Après les problèmes qu'on a trouvés entre 2008 et 2009, les problèmes de juin, on a dû passer à 3,5 Thève. Puis, en fait, en novembre 2009, quand était annoncé le prochain démarrage, on n'a pas eu le temps de tout finir. Finalement, on a dû se contenter de 1,2 Thève à peu près. Par contre, au grand soulagement, c'est que l'accélérateur de retour et après 14 mois, avec toutes les réparations, les faisceaux ont circulé quasi immédiatement. En l'espace de 2 heures, on avait les faisceaux de retour. Donc, énorme soulagement de notre côté. Et finalement aussi, 3 semaines plus tard, les expériences ont eu les premières collisions à 2,36 Thève dans le centre de masse. La confiance était enfin revenue. Donc, le chemin allait se poursuivre. En 2010, finalement, on a pu finir les travaux de conciliation. Donc, on est revenu à l'énergie qu'on avait prévue de 3,5 Thève. On a fonctionné 2 ans à 3,5 Thève. Puis, avec le succès de ce run-là, on a décidé qu'on pouvait prendre un risque supplémentaire de passer à 4 Thève pour 2012. On a fait fonctionner l'accélérateur jusqu'à présent. Et donc, toute l'analyse, les données de Higgs sont toutes venues de ces 3 années-là. Alors, je vais parler un peu maintenant de la performance pendant ces 3 années, comment ça a évolué et de quoi ça dépend. Alors, juste d'abord, une petite ligne de temps de ce qui s'est passé pendant ces 3 années. Donc, en 2008, en août, on avait fait les premiers tests d'injection dans le LHC. Le 10 septembre, même Google s'y est mis et on a fait les premiers faisceaux circulants. 9 jours plus tard, l'incident. En novembre 2009, les faisceaux étaient de retour. En 2010, le 30 mars, les premières collisions à 7 Thève dans le centre de masse. En fin de l'année, ne pas oublier, on a fait encore un petit peu de collisions avec les ions en passant. À l'été 2011, on a atteint plus ou moins le nombre de paquets maximum dans l'accélérateur, qui était 1380, qu'on a tourné pendant le reste de la période. En décembre, 5 femtobarnes et les premières fluctuations statistiques ou pas. L'excitation monte au CERN. En mars 2012, on a passé à 4 Thève. Et puis finalement, en juillet, l'heure pour du Higgs avait sonné.
avec le séminaire qui était donné au CERN. Alors, évidemment, quel est le paramètre principal qui intéresse les expériences? C'est évidemment ce qu'ils appellent la luminosité. La luminosité relie une section efficace d'un processus avec le nombre d'événements par unité de temps. Donc, vous pouvez aussi intégrer par le temps, et vous avez la luminosité dite intégrée. Et en fait, quand vous regardez deux faisceaux avec une population N1 et une population N2 que vous mettez en collision et avec une certaine surface ici, en fait, si vous regardez le taux de collision, c'est la section efficace. Ça dépend de combien vous mettez de particules dans les deux faisceaux. Ça dépend de la surface ici. Donc, plus vous la faites petite, évidemment, plus c'est dense, plus il y a de probabilité. Et ça dépend de nombre de fois vous faites cela par seconde. Donc, combien de fois vous mettez des paquets de particules. Donc, essentiellement, ça, c'est la luminosité. Et tout l'effort des gens des accélérateurs, en fait, va sur le fait d'optimiser ces quelques paramètres, finalement, qui semblent assez simples. Alors, la formule, pour le cas où on considère qu'on a des faisceaux avec le même nombre de particules, qui sont plus complètement symétriques et en plus des faisceaux ronds, en fait, on peut approximer la luminosité par une formule un peu plus simple. Il y a évidemment les deux paramètres qui sont les tailles transversales qui définissent essentiellement la surface du faisceau, donc les dimensions transverses, qui, dans le design, sont de 16 micromètres. Ensuite, il y a le nombre de paquets qu'il y a dans l'accélérateur. La luminosité va linéairement. Si vous rajoutez des paquets, chaque fois que vous mettez un paquet de plus, vous gagnez de la luminosité. Et finalement, le nombre de particules par paquet qui va au carré. Donc, ça vous montre déjà qu'en général, les gens des accélérateurs, eux, ils aiment mettre beaucoup de particules dans peu de paquets, qui est exactement, en général, à l'opposé de ce que veulent nos collègues de l'expérience. Donc, on doit toujours trouver un petit compromis. Et donc, en fait, pour la maximisation, il faut avoir autant que possible de particules par paquet, un grand nombre de paquets, une petite dimension transverse, ou bien trouver une sorte d'optimum qui satisfasse les expériences, la machine et peut-être même le faisceau lui-même. Alors, comment est-ce qu'on optimise et où est-ce qu'on peut agir? Alors, il ne faut pas oublier que le faisceau du LHC n'est pas produit dans l'LHC. En fait, il y a toute une chaîne d'injecteurs qui produisent les faisceaux, qui les envoient au LHC. Et si on regarde entre les injecteurs et le LHC, qu'est-ce qui affecte en fait ces paramètres? Alors déjà, le nombre de paquets, le nombre de protons par paquet, il est défini par les injecteurs. C'est eux qui définissent, une fois qu'ils ont donné N particules par paquet, nous, on ne peut plus la changer. Par contre, le LHC, parfois, pour des raisons techniques, peut demander à réduire cette limite parce qu'on ne peut pas simplement l'avaler, que ce soit pour des raisons de stabilité de faisceau, d'échauffement, de perte, etc. Le nombre de paquets en général corrélé, en général, ces deux variables ne sont pas complètement indépendantes. Dans le LHC, on avait défini il y a très longtemps que le maximum était environ 2800, qu'on n'avait pas le droit d'espacer, enfin, que l'espacement minimum était de 25 nanosecondes et qu'on n'avait pas le droit d'en mettre plus. Finalement, il y a la taille du faisceau. Et ici, on a les injecteurs en fait, définissent ce qu'on appelle l'espace de phase du faisceau, qu'on appelle dans les accélérateurs l'émittance. Et du côté des LHC, l'objectif, c'est de préserver l'espace de phase et en même temps de focaliser beaucoup au point de collision, qui est représenté par une fonction qu'on appelle la fonction bêta. Donc, en fait, la taille du faisceau le long de l'accélérateur peut être exprimée par une fonction très simple. Il y a un paramètre qu'on appelle la fonction bêta, qui est simplement l'enveloppe du faisceau. C'est défini par l'optique de l'accélérateur. C'est les lentilles magnétiques que vous mettez dedans. Puis par l'espace de phase, qui lui est vraiment défini par les injecteurs. S'ils ne vous donnent pas un espace de phase suffisant, ça ne marchera pas. Évidemment, vous avez le facteur gamma qui vous aide. À plus haute énergie, ça s'améliore. Si vous regardez en fait le produit des deux, pour des faisceaux ronds comme au LHC, est simplement cette fonction fois l'émittance. Donc en fait, plus tard, je vais discuter parfois de la fonction bêta, parfois de l'émittance. Simplement, ces deux paramètres affectent linéairement la luminosité et la surface du faisceau. Alors, le progrès du LHC était assez spectaculaire. Ici, je vous montre à peu près l'enveloppe de la luminosité, la luminosité maximum qui a été atteinte chaque année en fonction du temps. En partant de mars 2010, on est parti de luminosité de 10 puissance 28 pour arriver presque à 10 34, un facteur 1 million qu'on est monté. Vous notez aussi que le progrès a été particulièrement massif au début. En fait, en 2010, la première phase a été vraiment une phase de mise en route et de première expérience avec les faisceaux. Il faut réaliser que c'est les premiers faisceaux qu'on avait après le fameux incident. Beaucoup de gens étaient extrêmement nerveux.
parce qu'on ne voulait surtout pas faire de dommages dans l'accélérateur. C'est pour ça que le progrès a été assez lent et je crois que les premières conférences de 2006 de iChip étaient plus ou moins, je crois qu'elles étaient à peu près ici. Donc on avait donné des luminosités de 10 puissance 29, juste de quoi faire les premières études. Puis finalement, il y a eu une phase en fait, où on avait, j'en parlerai plus tard, à peu près 1 million de joules stockés dans le faisceau. Et c'était la phase où on a commencé à apprendre à manipuler des faisceaux intenses dans l'LHC. À nouveau, avec l'optique, il ne fallait surtout pas endommager quelque chose et se retrouver à nouveau en 2008. Et c'est une phase en fait, où on a réalisé qu'en fait, nos systèmes de protection et accélérateurs marchaient extrêmement bien. Beaucoup mieux, beaucoup plus facilement qu'on s'attendait. À tel point que certains collègues étaient presque nerveux parce que ça marchait trop bien. Et donc, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues qui étaient sous-jacentes. Et il a fallu beaucoup de persuasion pour se convaincre, en fait, non, que tout marchait vraiment bien, que ce n'était pas un hasard, et qu'on pouvait monter. Et finalement, ensuite, avec l'expérience qu'on a prise en 2010, finalement, en 2011 et 2012, on a vraiment pu aller chercher les records, chercher le Higgs, et en donner chaque fois un peu plus, toujours motivé par nos collègues et surtout les spokesmen qui venaient chaque année, quand on avait à la fin de l'année notre revue annuelle de la performance, nous dire « l'année prochaine, on veut 5 fois plus que ce que vous nous promettez ». Donc, une époque assez remarquable. Par contre, l'époque la plus difficile du point de vue de l'accélérateur, en fait, surtout psychologiquement, était bien celle du début. Même si, en fait, maintenant, on a tous oublié ceci parce que ça n'a joué aucun rôle pour le Higgs maintenant. Si on regarde un petit peu les deux dernières années, 2011-2012, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, où on a vraiment commencé à monter les records. On a travaillé essentiellement sur l'intensité du faisceau, et surtout en 2011, et ensuite sur la taille du faisceau au point de collision et sur les émittances. En fait, en 2011, d'abord, on a augmenté le nombre de paquets et le nombre de particules par paquet. Vous pouvez voir un peu les paliers par lesquels on est monté. On a attendu, on a observé, et puis on a fait un palier de plus. Ensuite, en automne 2011, on a réalisé qu'on pouvait relativement facilement réduire la taille de faisceau par 30% au point de collision. Et en fait, le gain était immédiat. On a pratiquement immédiatement gagné 30% de luminosité. Finalement, au début, encouragé par ce succès, on a réduit un autre facteur 40% la taille du faisceau en 2012. À nouveau, gain immédiat. Et en même temps, on a commencé à pousser l'intensité, réduire la taille du faisceau autant qu'on pouvait. Vous voyez que là, par contre, alors qu'au début, ça montait très rapidement, ici, par contre, vous voyez, la stagnation arrive. Et en fait, dans cette phase-là, on était vraiment limité par la stabilité du faisceau. En fait, on a atteint une phase où, à 4 TeV, on arrive à la limite de ce que l'accélérateur peut digérer dans les conditions actuelles en termes de faisceau. On pouvait en produire plus, mais en fait, tout ce qu'on produisait plus, en fait, finalement, était perdu en route. C'est pour ça qu'en fait, on a saturé à peu près une luminosité de l'ordre de 7, 10, 33. Si vous regardez ça en termes de luminosité intégrée, donc cette courbe a été montrée de façon différente déjà ce matin, on atteint à peu près ce qu'on appelle l'équivalent de 28 inverse femtobarn, ou, si j'ai bien compté, 2 à 10 puissance 15 collisions inélastiques de protons dans lesquelles nos collègues ont trouvé quelques centaines de Higgs. On a aussi passé 37% du temps alloué vraiment à donner des collisions, ce qui est assez remarquable vu la complexité de l'accélérateur. On n'osait pas espérer autant. Le meilleur qu'on ait jamais fait au LEP est aux environs de 50% pour une machine beaucoup, beaucoup plus simple. Évidemment, en route, le 4 juillet, il y a eu le fameux séminaire annonçant le Higgs. Et ne pas oublier qu'en fait, au début de 2010, on s'était donné une limite de 2 femtobarn qu'on a allègrement dépassé avec le temps. Mais beaucoup de gens ont oublié qu'en fait, on était parti très discrètement. Il faut aussi réaliser que le progrès était tellement fulgurant qu'au début, on avait des plans de mise en route, rajouter des paquets, qu'à peu près, après 2 mois d'opération, on a pris tout le papier, on a jeté à la poubelle et on est parti sur des plans complètement différents parce que tout marchait beaucoup mieux que prévu. Et si on regarde un peu le LHC 2012 par rapport au design, donc évidemment l'énergie est plus basse. Ce qu'on a fait, j'en parlerai un peu plus tard, en fait, l'espacement des faisceaux est 2 fois plus grand que prévu, ce qui veut dire qu'aussi, on n'a que la moitié des nombres de particules.
Par contre, on a beaucoup plus de particules par paquet. Donc, on en a 160 milliards au lieu d'à peu près 100 milliards. On a un faisceau beaucoup plus dense. Hein, ce rapport entre intensité et surface donne la densité extrêmement dense. On a à peu près la même taille de faisceau au point de collision. Et on a une luminosité qui est presque le design. En fait, étant donné qu'on est à 4 TeV, on peut dire qu'on l'a dépassé. Parce que si vous faites un scaling de cette luminosité à 7 TeV, en fait, vous atteignez 2^10^34. Donc, en fait, on a dépassé déjà, en l'espace de 3 ans, la luminosité projetée du LHC. Alors, donc, si je continue ma petite ligne de temps, donc en juillet, parce que l'histoire n'était pas encore finie en juillet, finalement, en janvier, on n'en parle pas beaucoup, mais on a fait une expérience assez originale en faisant des collisions de protons et de plomb. Et finalement, le 21 février, on a déclaré l'arrêt du run 1 et avec un accès d'environ 2 ans dans la machine pour faire les mises en service pour passer à cette TeV. Alors, pour arriver à cette luminosité, quels ont été les points principaux ? Alors, c'est très difficile, c'est très subjectif et demande de choisir des points clés, parce que chacun a tendance à choisir un peu différemment. Je vais en prendre quelques-uns qui me paraissent essentiels et qui ont vraiment fait le succès du LHC. Alors, je vais commencer par un point que beaucoup de gens oublient tout le temps, et je crois qu'il faut vraiment... c'est un grand bravo à nos collègues de la cryogénie, parce que nous avons 24 km d'accélérateur à 2 Kelvin. Il y a 36 000 tonnes de matériel à cette température, 130 tonnes d'hélium, tout en superfluide. Et en 2012, ce système a marché 95% du temps. Et si on enlève les fautes qui sont venues de l'extérieur, parce que sans électricité même, un cryogéniste n'arrive pas à faire de l'hélium superfluide, si on n'avait pas les fautes externes, il serait arrivé à 97%. Donc 3% seulement du temps perdu était par des erreurs ou des problèmes dans le système cryogénique. Une performance assez remarquable. Un point intéressant, anecdotique, c'est qu'en fait, si vous regardez le livre de design du LHC, on parle toujours de 100 tonnes d'hélium. En fait, on en a 130. Et pourquoi est-ce qu'on a 130 ? Parce qu'en fait, quand on a construit les aimants, les gens se sont trompés et ont mal évalué le vide qu'il y a dans les aimants. L'espace vide, parce que l'hélium superfluide, étant superfluide, peut remplir absolument tout espace vide laissé dans l'aimant. Et en fait, il y a 30% d'espace de vide de plus dans notre aimant que prévu, ce qui nous a coûté quelques millions de francs en hélium pour refroidir la machine. Donc voilà un système essentiel dont on parle très peu. Un autre problème, c'est l'énergie stockée. C'est ça qui a ralenti le progrès au début. Ici, vous avez en fonction de l'énergie dans le faisceau, des particules dans le faisceau, l'énergie stockée dans les faisceaux. Alors, si vous regardez les machines qui étaient avant le LHC, le Tevatron, le SPS, HERA, tous ces accélérateurs fonctionnent à peu près avec 2 mégajoules d'énergie stockée dans les faisceaux. Et le seuil où on commence, en perdant un faisceau, à créer du dommage dans un composant d'accélérateur est aux environs d'un mégajoule. Ça dépend un petit peu de l'énergie, ça dépend un petit peu du cas. Donc ceci se trouvait juste un peu au-dessus de la limite. Et dans tous ces accélérateurs, à part, si je ne me trompe pas, HERA, on a détruit des aimants allègrement. Il y en a eu au SPS, le Tevatron a aussi réussi à faire ça. Le LHC devait monter d'un facteur 100 par rapport à cela, et à 4 TeV, on a atteint un record de 140. Et c'est cette étape de ce facteur 100 en énergie est ce qui nous a ralenti beaucoup au début, parce qu'on voulait absolument être sûr qu'on n'allait pas détruire notre accélérateur dès le début. Et juste pour donner une idée, l'énergie stockée, c'est à peu près l'équivalent d'un destroyer de la US Navy qui marche à peu près à une vitesse de 16 nœuds par heure, pour vous donner une idée de la puissance qui est dans ce faisceau. Maintenant, relié à l'énergie stockée, il y a un autre système qui a été un énorme succès, c'est notre système de collimation. Nous avons 140 mégajoules dans chaque faisceau, et si on perd quelques millijoules dans un aimant, celui-ci redevient conducteur normal, et c'est la fin de l'opération, il faut enlever les faisceaux. 10 ordres de grandeur en densité d'énergie. Et dans l'accélérateur, il y a 100 collimateurs, essentiellement en carbone et en tungstène. La plupart ont à peu près 2 mètres de long, comme ça.
orientés dans les différentes directions, qui doivent intercepter tous les protons qui ont tendance à sortir du faisceau. Et ça, c'est un système remarquable parce que tous les autres accélérateurs avant, par exemple Tevatron et ERA, utilisaient les collimateurs seulement pour les expériences. Ils utilisaient pour faire des conditions de bruit de fond. Le LHC ne marche pas sans ces collimateurs. Et pour vous donner une idée, en plus, ce système n'est pas tout à fait simple. En fait, on dit que c'est un système à plusieurs étages, primaire, secondaire, tertiaire, parce qu'en fait, le halo du faisceau intercepte d'abord le collimateur primaire. Du collimateur primaire, on n'arrête pas un faisceau de 7 eV avec un petit collimateur qui fait 20 cm de long. Les particules sont diffusées et forment des particules secondaires qui sont arrêtées par les collimateurs secondaires qui eux-mêmes produisent des particules tertiaires. Et finalement, il faut un système à 3 étages pour s'assurer que le nombre de protons qui touchent finalement les aimants supraconducteurs est suffisamment bas pour que ceux-ci puissent supporter. Et pour vous donner une idée, donc, tout ce faisceau, tout se passe à peu près dans l'ouverture correspondant à l'Espagne sur une pièce de 1 euro. Donc ce collimateur primaire-là a exactement cette ouverture-là. Et ce système a fonctionné parfaitement aussi parce qu'on a avait l'expérience du LEP, on a beaucoup travaillé sur la stabilisation du faisceau. Le faisceau est stable à quelques micromètres près à l'intérieur de ces collimateurs. Le système a intercepté plus de 99,99% de tous les protons qui sortaient. On n'a jamais eu d'incident où, en fait, avec les protons perdus, on a eu un quench d'un aimant supraconducteur. Ça, évidemment, nous a aidé beaucoup pour pouvoir pousser la performance, pour gagner de la confiance. Par contre, ce n'est pas sans risque. Alors ici, vous voyez l'effet d'un impact d'un faisceau sur un collimateur tungstène. C'est ceux qui se trouvent, en fait, juste devant les expériences de nos collègues. Si vous regardez bien, vous avez ici, il y a eu un impact. On a simulé un impact avec à peu près 40 kJ de faisceau. Ici, 120 kJ, 1 pour 1000 de ce qu'on avait stocké. Et vous voyez l'éclat sur le collimateur, et ça, c'est à peu près le triple. Si vous faites un zoom là-dedans, vous voyez qu'en fait, il y a un trou de plusieurs millimètres dans le collimateur. Pour vous donner une idée de la puissance qu'il y a dans ce faisceau, vous voyez que même nos collimateurs ne sont en fait pas sûrs. Il faut qu'on protège les collimateurs. Et on est toujours à la recherche de nouveaux matériaux. Il n'y a malheureusement pas, pour l'instant, de matériaux miracles. On peut gagner un facteur 2 à 3, mais pas beaucoup plus, malheureusement. Pour vous donner une idée que même si ça marche bien, il y a toujours un risque rémanent. Alors, un autre challenge qu'on a eu, c'est ce qu'on appelle les nuages d'électrons. Ce que les gens des accélérateurs ont découvert dans la dernière décennie, disons dans les derniers 20 ans, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, en poussant les performances de tous les accélérateurs dans le monde entier, on a réalisé qu'on avait un problème, que quand on avait des faisceaux chargés positivement, de très haute intensité, mis en paquet, on pouvait libérer des électrons dans la chambre à vide et qu'en fait, ça forme un nuage d'électrons dans la chambre à vide. La façon dont ça va se produit, c'est que vous avez un paquet qui passe, et pour une raison ou une autre, par exemple, ça peut être un photon émis ou bien simplement un proton qui part du faisceau, il libère un électron sur la surface. Le prochain paquet passe, cet électron voit un magnifique paquet chargé positivement, donc il va être attiré, accéléré par le champ du paquet, toucher la surface de l'autre côté et se multiplier. Le prochain paquet passe, et vous pouvez imaginer la suite, qui lui-même accélère, qui remultiplie, et en fait, on a un effet d'avalanche qui arrive. Et finalement, on construit une sorte de nuage d'électrons qui tournoie autour du faisceau et qui déstabilise électriquement complètement le faisceau. En fait, ces électrons à la surface font des remontées de vide, ils déstabilisent le faisceau. Donc ces électrons ont à peu près quelques EV, hein, c'est des électrons de très basse énergie, mais qui circulent dans la chambre à vide. Ça, c'est une image d'une simulation des électrons dans la chambre à vide. Ici, vous avez un faisceau au milieu, et en fait, ces électrons se baladent verticalement parce que vous avez un champ magnétique dipolaire très fort ici. Donc, les électrons font des mouvements cyclotroniques verticaux. Et chaque fois qu'un paquet passe, ils montent et descendent, etc., en déstabilisant le faisceau. Et en fait, alors, une façon de réduire cet effet, c'est qu'en fait, c'est d'écarter les paquets, de les mettre à des distances temporelles plus grandes pour laisser aux électrons le temps de disparaître. Et en fait, et c'est pour ça qu'on a réduit l'espacement des paquets à 50 nanosecondes au lieu d'utiliser les 25,
Parce qu'en fait, ça aide cette opération, et ça a été un des aspects clés pourquoi on a gardé moins de paquets, un facteur de paquets en moins. Et en fait, comment est-ce qu'on... Maintenant, heureusement, il y a un petit truc. C'est que ce qu'on a aussi vu par expérience, c'est qu'en fait, on peut nettoyer le nuage d'électrons. Il se nettoie lui-même. C'est-à-dire que l'impact des électrons sur la surface, en fait, fait des transformations sur la surface qui réduisent la probabilité d'émission d'électrons. Et donc, en fait, le nuage s'autodétruit avec le temps. Alors, la façon dont on fait ça, les gens d'accélérateur appellent ça le beam scrubbing, hein, le nettoyage par faisceau. C'est-à-dire qu'en fait, on se met à l'énergie d'injection. On injecte un maximum de faisceaux possible, on crée beaucoup d'électrons, les électrons bombardent la surface, réduisent la probabilité, donc les conditions de faisceaux s'améliorent, vous mettez plus de faisceaux encore et vous poussez la performance jusqu'à ce que, en fait, finalement, le nuage d'électrons disparaît. Et donc, en fait, en avril 2011, on avait fait ça pour l'opération 50 nanosecondes pendant 2 semaines. Par contre, ce n'est pas suffisant pour faire du 25 nanosecondes et finalement, étant donné le temps que ça aurait mis pour préparer la machine avec un espacement plus réduit, on a décidé en fait de favoriser cette opération pour les raisons de simplicité. Et juste pour vous donner une idée de l'effet sur les faisceaux, ici vous voyez en fonction du temps, vous avez les intensités faisceaux, ça c'est les pages du LHC qu'on trouve sur le web. Vous avez les injections de faisceaux. Donc ici, ça c'était le 7 décembre 2012, c'était des faisceaux, des tests avec des faisceaux à 25 nanosecondes. On injecte les faisceaux, on voit l'intensité qui monte. Et vous voyez que l'intensité faisceau immédiatement diminue à cause de l'effet des électrons. Et après 3 jours de travail et de nettoyage, il faut voir que les échelles ici sont un facteur 10 différentes. En fait, vous voyez qu'on injecte des faisceaux beaucoup plus intenses et eux restent très stables. Donc il faut quelques jours d'opération pour nettoyer la chambre à vide. Alors, un autre challenge qu'on a eu, c'est en fait, on a le LHC et puis sa chaîne d'injecteurs sont extrêmement flexibles. On peut faire des configurations de paquets d'intensité extrêmement, extrêmement variées et ça a été un des aspects clés. On peut jouer sur l'espacement. Donc, par le design, normalement, les paquets sont espacés de 25 nanosecondes. Ils ont à peu près 100 milliards de particules dans un certain espace de phase et disons, ils ont un facteur 1 de luminosité. Et en fait, les injecteurs ont travaillé très dur pour en fait fabriquer un faisceau qui a la moitié de l'espacement, mais qui a beaucoup, beaucoup plus de protons par paquet, une beaucoup plus grande densité, qui en fait, par paquet, donne 4 fois plus de luminosité que ce faisceau de base. Et c'est ça aussi une des clés pourquoi on a pu pousser la performance de LHC très fort, c'est qu'en fait, on avait des faisceaux beaucoup plus denses, qui en plus sont plus petits et qui sont plus faciles à faire fonctionner. Par contre, nos collègues commencent à dire stop, parce que ça fait beaucoup trop de luminosité par croisement. Donc, il faut qu'on revienne aux 25 nanosecondes. Maintenant, en parallèle, pendant que nous, on travaillait avec ces faisceaux-là, nos injecteurs ont aussi travaillé. Et en fait, ils ont un nouveau design pour comment fabriquer du faisceau 25 nanosecondes, qui en fait préserve le nombre de protons par paquet, mais réduit presque d'un facteur 3 la densité. Et donc, en fait, ça, c'est notre faisceau rêve, qu'on va essayer de mettre en service en 2015, en étalant plus les collisions pour nos collègues des expériences. Finalement, un autre challenge, c'est en fait l'ouverture de la machine. Pourquoi l'ouverture? Parce qu'en fait, au point de collision où se situent Atlas, CMS et les 2 autres expériences, on veut un faisceau qui soit focalisé fortement dans la direction transverse. Si vous regardez dans l'espace de phase, comme vous préservez l'espace de phase, si vous avez un faisceau très petit, vous avez un faisceau qui a aussi beaucoup de divergences. Vous échangez les phases de phase de l'espace vers l'angle. Dans ces configurations-là, pour arriver à cette configuration, dans les aimants qui se trouvent autour de l'expérience, qu'on appelle les aimants triplets, qui focalisent, vous avez en fait l'inverse. Vous avez un faisceau qui est très grand, très plat, mais très parallèle. Ce qui veut dire que quand vous réduisez la taille ici, vous augmentez la taille à côté. Plus vous focalisez, plus vous montez la taille du faisceau ici, et à un certain donné, vous n'avez plus de place. Et ceci délimite en fait la performance de l'accélérateur finalement. Et en fait, une des grandes des gains qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, l'alignement de l'accélérateur était bien meilleur que prévu. Donc en fait, les géomètres, tout le monde a beaucoup mieux travaillé pour tenir les tolérances. On a un meilleur contrôle des trajectoires, et finalement, ça nous a permis en fait de gagner un facteur 2 à 3 sur la focalisation au point d'interaction. Un des points clés pour la performance. Le problème, et c'est le prix qu'ont payé les expériences,
c'est qu'ils ont eu jusqu'à 35 interactions par collision. Et moi, je veux dire chapeau aux deux expériences pour avoir réussi à avaler ça. Parce que si on avait dû artificiellement réduire la performance pour ça, je pense qu'on ne serait pas là où on est maintenant. Alors, une des choses très surprenantes qu'on a trouvées, ça s'appelle ce qu'on appelle les UFO. En fait, en 2010, dès qu'on a commencé à monter l'intensité, on a tout à coup vu des paires de faisceaux très rapides, très localisées dans l'accélérateur, à des endroits où ça ne faisait aucun sens de perdre du faisceau. Et en étudiant un peu le phénomène, on a réalisé qu'on avait des particules de poussière qui tombaient dans le faisceau. Au début, on ne savait pas ce que c'était, donc on les a appelés les Unidentified Falling Objects, UFO. Dans un des composants d'accélérateur, on a très clairement pu les tracer. C'est des particules d'oxyde d'aluminium qui, en fait, se trouvaient sur la surface à cause de la fabrication. Dans le reste de l'accélérateur, en fait, on ne sait pas quelle est cette poussière. C'est probablement simplement la poussière due à la mise en service. Le problème, c'est que quand une particule comme ça tombe dans le faisceau, il y a immédiatement, évidemment, des interactions nucléaires, des particules qui sont éjectées et qui partent dans les aimants. Et donc, en fait, actuellement, environ 20 fois par an, on doit évacuer les faisceaux d'urgence pour éviter que nos aimants fassent des quenches. 20 fois par an, c'est à peu près style ce qu'on peut accepter d'acceptable. On observe qu'il y a un effet de conditionnement, c'est-à-dire qu'en fait, mis à part ceux où on doit éjecter le faisceau, il y a beaucoup de cas, en fait, on voit un petit saut de perte de faisceau, et puis ensuite, on continue. Et on est parti, en fait, d'un taux à peu près de 10 par heure au début de 2011, à peu près un taux de 1 à 2 par heure au cours du temps. Donc, en fait, on nettoie la surface de chambre à vide. Personne ne comprend exactement le mécanisme. On est très content que ça se passe comme ça, parce que ça nous aide bien, ça nous sauve bien. Par contre, ça, c'est un problème qui va venir, parce qu'en fait, ça pourrait être un problème à cette Tève. À cette Tève, cette particule qui tombe dans le faisceau va générer plus d'énergie dans les aimants. En plus, les aimants deviennent plus sensibles, on perd à peu près un bon facteur 10. Et donc, dans le pire scénario, on pourrait avoir chaque deux jours, donc plutôt 100 pertes de faisceau par ces particules-là. Donc ça, c'est un point où on n'a pas beaucoup de solutions. On essaie de travailler pour optimiser un peu la machine, mais on n'a pas de solution miracle pour ce phénomène. Alors, laissez-moi dire deux mots sur le chemin vers la haute énergie. Donc, on était à 4 TeV. On a un très long arrêt. Vous voyez, c'est marqué LS, choc, arrêt 1, donc ce qui veut dire qu'il y aura probablement un arrêt 2 et 3. Je vais en parler après. Ici, on consolide toutes les interconnexions entre les aimants pour pouvoir arriver au-dessus de 6,5 TeV. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les interconnexions sont vérifiées électriquement. Il y en a 10 000 au total. Toutes sont vérifiées électriquement. Celles qui sont de mauvaise qualité sont complètement refaites. Et toutes reçoivent en fait une pièce en cuivre supplémentaire pour garantir la continuité. L'idée étant qu'il n'y aura plus jamais ce genre d'incident dans le futur. Et le gros objectif des deux prochaines années, essentiellement, c'est de prendre ce planning terrible qui s'étend sur tout le LHC pendant deux ans et de le transformer en faisceau au printemps 2015. Quand on voit le planning et le nombre de gens qui travaillent et qui démontent en ce moment l'accélérateur, c'est parfois un peu horrifiant. Je pense que ça doit être la même chose dans les expériences, d'imaginer que dans un an, il va falloir tout remettre ensemble et le faire remarcher. Donc, au niveau de ce qu'on attend en luminosité, en fait, c'est assez, si on extrapole la performance, regardez seulement essentiellement cette colonne-là. Si on continue à fonctionner avec les mêmes faisceaux qu'on avait avant, on peut atteindre des luminosités de 2^10^34, mais avec plus que 100 événements superposés. Et je crois que là, il y a un niet clair de nos collègues des expériences. Avec le faisceau 25 nanosecondes amélioré, on arrive autour de 40. Alors là, on commence à négocier. On va peut-être devoir le réduire un petit peu. Mais il faut aussi, on le fait, mais avec une perte modérée de luminosité, vu qu'on gagne en nombre de paquets. Il faut noter que nos collègues cryogéniques disent que la luminosité pourrait être limitée à peu près dans cette zone-là, tout simplement parce qu'en fait, les aimants tout près des points de collision n'auront plus assez de capacité de refroidissement. Les débris, ce que nous on appelle les débris, mais qui est en fait la physique à bas angle, qui sort et qui va s'écraser dans ces quadrupôles, en fait échauffe trop, risque de trop échauffer les aimants. Et en fait, ça, c'est évidemment au-dessus du design du LHC.
Et donc, ça pourrait être une limitation. Alors, une chose qu'on va aussi beaucoup faire, c'est qu'on va devoir travailler probablement selon les scénarios, ce qu'on appelle le leveling. Si vous regardez ce qu'on a fait, en fait, pour l'expérience LHCb en ce moment, ici, ça, c'est un fil du LHC l'année dernière, je crois. Donc, vous voyez ici, là, on a mis les faisceaux en collision. La luminosité d'Atlas est montée, ou CMS est montée à 7, 10, 33, et ensuite, elle décroît quand l'intensité des faisceaux diminue. Par contre, pour le cas de LHCb, en fait, eux, ils fonctionnent à une luminosité constante, très basse. Et en fait, on fait ça en ajustant la séparation des faisceaux. Donc en fait, au début, on a trop de luminosité dans leur point, on sépare les faisceaux pour qu'en fait, on ait moins de recouvrement. Et au fur et à mesure que l'intensité diminue, on ramène les faisceaux ensemble pour leur donner une luminosité constante. Eux, ils aiment bien ça parce qu'ils aiment bien travailler à opération constante. Si, pour une raison ou une autre, dans Atlas et CMS, on a trop de pile-up, il faudra utiliser un modèle similaire. Sauf que là, ce qu'on considère, c'est qu'au lieu de jouer sur la séparation, on va jouer en fait probablement sur la focalisation du faisceau. C'est une manipulation assez compliquée, mais qui est aussi nécessaire à cause de raisons de stabilité de faisceau. Alors, comment va être à peu près l'opération en 2015 En 2014, on va déjà reprendre en service des parties de l'accélérateur. On va essayer d'entraîner les aimants à une énergie quelque part au-dessus de 6,5 TeV. De l'expérience de 2008, on sait que 6,5 TeV va être facile à atteindre. 7 TeV pourrait être trop long. C'est en discussion, on verra selon l'expérience. Ensuite, en 2015, on va devoir explorer, apprendre le LHC à cette énergie, à basse intensité. On estime qu'il nous faudra à peu près 2 mois pour mettre en route tous les systèmes à nouveau. Ensuite, nous, en tout cas, on va probablement faire une première luminosité un peu plus sérieuse, à discuter ce que ça veut dire, avec un peu d'intensité, avec probablement l'ancien espacement, juste parce qu'on sait comment le faire et parce qu'on veut séparer la complexité. Ça ne va pas durer très longtemps, on pense probablement de l'ordre de semaines. Et ensuite, dès qu'on se sent prêt, on va devoir préparer l'accélérateur pour tourner avec des séparations de 25 nanosecondes. Il faudra probablement nettoyer la chambre à vide au moins 2 semaines à l'injection, comme investissement. Et ensuite, il faudra passer en mode production à 25 nanosecondes. En tout cas, les premiers mois vont être à nouveau très, 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 très passionnants. Et avec beaucoup de discussions sur quoi faire le lendemain. Ensuite, les prochaines années, donc l'arrêt 2014 va être suivi à peu près de 3 années de production, d'un autre arrêt, puis d'autres années de production. Initialement, ça s'appelait physique et ensuite physique ultime. Il se trouve qu'avec les paramètres qu'on a maintenant, il est possible que la physique ultime commence déjà en 2016. C'est en discussion, on va voir. Puis ensuite, autour de 2022, un autre arrêt pour préparer le LHC haute luminosité. Alors, laissez-moi parler 2 mots sur le chemin vers la haute luminosité. Donc, l'idée de la luminosité de LHC haute luminosité, c'est d'augmenter encore un facteur 10 la luminosité intégrée. On parle de 3000 femtobarn en 10 ans comparé aux 300, grosso modo, qu'on a maintenant. Pour ça, il faut augmenter la luminosité. Le problème, évidemment, c'est à nouveau le pile-up. Donc, ce que va faire l'accélérateur, c'est qu'on va préparer des luminosités crêtes au-delà de 10 puissance 35, qui correspondent à, je ne sais pas, 300 collisions, 300 événements par collision. Beaucoup trop pour les expériences, mais on a décidé de la luminosité dans les expériences aux environs de 5, 10, 34, si je ne me trompe pas, qui correspond toujours quand même à 135 événements superposés. Et en fait, on va se servir de ce que j'ai expliqué avant, de donner une luminosité constante, en fait, avec la marge de luminosité aux expériences pour avoir plus de luminosité intégrée. Et pour ce qu'il faut pour cela, il y a 3 voies essentielles. C'est d'abord de fabriquer des aimants focalisants quadrupolaires en supraconducteur niobe éteint, qui a plus de marge, de fabriquer des dipôles en niobe éteint qui vont à 11 Tesla et non pas à 8, et des cavités de crabe, dont je vais dire juste 2 mots. Juste pour vous donner une idée, ici, vous avez les champs en fonction de l'année et puis de la technologie. Donc, le niobe titane arrive plus ou moins à sa limite avec environ 9 TeV, où est le LHC. Pour passer au-delà en haute luminosité, il faut aller en niobe éteint. Et si on veut aller au-delà probablement de 15 TeV, il faudra trouver des conducteurs à haute température.
Donc, la haute luminosité LHC se concentre sur cette technologie-là. Et où est-ce que ça affecte l'accélérateur? Eh bien, on va changer tous les quadrupôles qui se trouvent autour des expériences. On va mettre des cavités à crabes autour des expériences. Et puis, en fait, on va changer autour de certains points, certains dipôles avec des dipôles à haut champ. Juste en deux mots, qu'est-ce qui se passe au point de collision? Ça, c'est les aimants actuels qui focalisent au point de collision. Ça se trouve au point 5, donc CMS est juste derrière, ici. Ceux-ci ont été fabriqués au Fermilab et puis au KIK. Actuellement, on en a trois. En fait, il y a quatre aimants au total dans trois assemblages. Et pour aller plus loin, il faut augmenter ces aimants ont une ouverture de 70 mm. Il faut la doubler. Pour pouvoir focaliser plus, il faut plus d'espace dans ces aimants-là. Et l'idée étant de gagner un facteur 3 à 4 dans la taille du faisceau. Et pour ça, en fait, il faut avoir des aimants plus longs. Et il faut aussi concentrer ces aimants qui sont en ce moment à température ambiante, doivent devenir supraconducteurs pour faire de la place, pour pouvoir focaliser suffisamment. L'autre chose, c'est les aimants dipolaires à haut champ. Alors l'idée, c'est qu'à la sortie des sections droites, quand commence l'arc du LHC, toutes les particules qui sont en dehors de l'acceptance de l'accélérateur, typiquement les collisions inélastiques à très très bas angle, toutes ces particules sont perdues. Et en fait, elles s'écrasent dans les aimants dipolaires tout le long de l'accélérateur. Alors le principe pour pouvoir augmenter la luminosité et ne pas être limité, par exemple, par ces aimants, c'est qu'on prend un de ces aimants de 15 mètres et on le remplace par un aimant de 11 tesla en niobe éteint qui fait la même déflexion géométrique. Et l'espace qu'on gagne, on met un collimateur pour absorber les particules. Et en fait, il y a déjà un prototype qui existe à Fermilab qui a atteint 11 tesla en mètre cette année. L'idée, c'est d'arriver à un aimant long en 2015 et d'avoir un aimant qui pourrait aller être mis dans un accélérateur en 2016. Ici, les priorités ne sont toujours pas complètement établies sur où il faut le faire, etc. Et en fait, il y a une revue la semaine prochaine qui va décider exactement du champ de cet upgrade. Finalement, les cavités en crabe. Les cavités en crabe sont nécessaires, c'est un phénomène dont je n'ai pas parlé, mais j'explique brièvement. En fait, les faisceaux LHC ne se croisent pas tête contre tête, mais en fait avec un angle qui, dans l'upgrade, va être de 600 microradians, donc presque 1 milliradian entre les deux faisceaux. Le problème, c'est que vous voyez, quand vous commencez à focaliser plus les faisceaux transversalement, en fait, les faisceaux ne se voient plus très bien au point de collision. Et vous avez une réduction de la luminosité qui est d'autant plus grave que le paquet est long et que la taille transverse est petite. Et avec les paramètres du LHC upgrade, si vous mettez les chiffres, vous perdez pratiquement 80% de la luminosité juste à cause d'un effet géométrique. Donc l'idée, c'est d'installer des cavités crabes qui en fait vont donner un petit coup transversale à la tête et à la queue du faisceau, de sorte que le paquet, au lieu d'aller droit, va se propager en fait transversalement, d'où l'idée du crabe qui marche de travers, de sorte qu'en fait, quand ils arrivent au point de collision, les deux faisceaux se rencontrent à nouveau et se superposent parfaitement pour récupérer le facteur 5. Le challenge de ces cavités, c'est qu'ils n'ont jamais été utilisés dans une machine Hadron. Le KIK l'a utilisé au KIKB. Par contre, pour leur upgrade, ils ont décidé de ne plus utiliser ça. Alors, c'est pour ça que c'est une grosse discussion, qu'est-ce qu'on va gagner avec ça. Il y a beaucoup de challenges, ces choses sont très compliquées, en tout cas, c'est un développement très intéressant. Finalement, ensuite, après, qu'est-ce qui se passe? Donc, 2022, HLLHC. En 2000, quelque chose, on a ILSI. Les Japonais ont mis ça sur la table. Ensuite, il y a eu des études pour un HE-LHC, High Energy LHC, où essentiellement on double l'énergie du faisceau, en passant à des aimants niobe éteints, doublant le champ en 2035. Par contre, un facteur d'onde énergie en physique des particules, ce n'est pas beaucoup. Donc, on parle maintenant d'un Very High Energy LHC, 2 fois 50 TeV, où non seulement on augmente le champ, mais on augmente la taille du tunnel. Et certains des collègues ont immédiatement pris cette idée d'un nouveau tunnel pour peut-être faire un grand LEP, pour rattraper le LEP et faire la Higgs Factory ici. Alors il est clair que ces deux projets semblent être un peu exclusifs parce qu'on ne va sûrement pas faire les deux.
En tout cas, il y a des discussions dans la communauté. Ce qui est sûr, c'est que mes collègues ont déjà trouvé où aller faire cet accélérateur. Vous voyez, ça, c'était l'image que je montrais du LHC. L'échelle du très haute énergie LHC, 80 km de circonférence, passe au-delà du Salève. Il faut compter que si vous faites une intervention, à moins que le directeur général nous paye des hélicoptères, il faut compter 2 heures pour se trouver à un point pour faire une réparation. Donc enfin, les gens rêvent. Enfin, laissez-moi finir. Donc, en fait, la performance du LHC a été vraiment incroyable. Et je crois qu'on est les premiers, côté accélérateur, les premiers à être surpris. En fait, on a été tellement surpris par notre performance qu'on était un peu embarrassés. Parce que chaque fois qu'à la fin d'année, on faisait une revue de notre performance, on mettait les chiffres de l'année prochaine et on disait « Ouais, sur le papier, ça a l'air de marcher, mais ça ne peut pas marcher. » Et en fait, ça a à chaque fois fonctionné. Et c'est vraiment remarquable. Et je pense qu'il y a beaucoup de points qui ont joué. Il y a la qualité du design, la construction, l'opération, les injecteurs. Évidemment, on avait un point faible, c'est les interfaces. Hein. Souvent un point faible dans les projets technologiques. La haute technologie, tout le monde regarde dessus. Tout le monde fait attention. Et les trucs tout simples, un fois. Évidemment, après tout ce qu'on a fait, les espoirs pour 2015 sont très élevés. Et la pression sur les gens comme moi est très élevée. Parce que personne ne voudra voir une luminosité en dessous de 5, 10, 33 ou quelque chose comme ça. Donc nous, on travaille très dur, pas seulement dans le tunnel, mais aussi en dehors pour essayer de réfléchir à comment faire fonctionner l'accélérateur. Évidemment, je sais que Guido et Fabiola attendent déjà la prochaine fête. Et Guido, Guido et Fabiola venaient chaque année, comme j'ai dit, comme représentants d'expérience, pour nous motiver, pour nous dire « on a besoin de plus, on a besoin de plus, on est juste allé, on va juste découvrir, donnez-nous plus. » Et en 2010, on avait fait la première année, on avait commencé à monter. On avait fait les projections pour l'année d'après, puis c'est vrai que les chiffres donnaient des chiffres effrayants. 3, 4, 5 femtobarnes, si tout marche bien. On a dit non, ça ne marche pas. On va dire 1, on va promettre 1. Et Guido est venu, il a dit « give me 5 ». Et on l'a fait, et je suis sûr qu'en ce moment, il est en train de penser « give me 500 ». Ok, merci pour votre attention.